C'est une chanson qui te ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Nous étions deux, toujours ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Da-da-di-da-da, da-di-da-da-da-da. La di da 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 di da da di da 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 da
comment devenir un acteur extraordinaire. Extraordinaire. Bon, enfin. Mes détracteurs verront ce que je vaux. Vous savez, des fois, je me languis de trépasser pour que l'on trépasse sur ma tombe. Trépassons, pas trop vite. Trépassons, un peu vite. Trépassons, à la vite. Trépassons, pas trop vite. Trépassons, pa. Une chanson comme ça qui m'amène toujours dans les bras de Morphée. C'est une chanson comme ça qui m'amène toujours dans les bras de Morphée. C'est une chanson qui m'amène dans les bras de Morphée. C'est une chanson qui m'amène dans les bras de Morphée. Si j'avais pourtant une petite idée de qu'est-ce que c'est qui pouvait vous faire un peu rire, ça me ferait plaisir de vous faire rire, vous voyez. Une petite idée, bon, de quoi on va parler. Tenez, par exemple, la dernière fois, je voulais faire une blague sur les Azéris, parce que les Azéris, ils sont arrivés en pays d'Arménie, évidemment, il n'y a que des églises arméniennes. Alors ils se sont dit, puisqu'il n'y a que des églises arméniennes ici, on va les transformer en mosquées. Hey, ils sont pas cons, ils ont de l'idée. Alors ils ont commencé les travaux véridiques, hein. Vous verrez les informations, ils ont mis des forges d'âge sur toutes les églises là-bas. Et ils ont transformé les dômes, vous voyez tout ça, en mosquées. Ils ont mosquéisé la chrétienté. Alors ça fait... Alibaba, raba, raba. La biraba, la baraba. Avant on était chrétien ici, maintenant on est musulman ici. Avant on était chrétien, maintenant on est musulman. Ils adorent transformer les églises chrétiennes en mosquées. Ça leur plaît. Les églises chrétiennes leur plaisent beaucoup à ces gens-là. Nous, on leur aurait dit de venir carrément, hein. On les a invités chez nous, hein.
ma foi, ça devait se dire, on va faire un melting pot, une espèce de mélange chrétien musulman, mélange, c'est la nouvelle religion, un mélange de chrétiens, un mélange de musulmans, un mélange de chrétiens, un mélange de musulmans, un mélange de chrétiens et de musulmans. Et moi je suis pour la fraternité. Et moi je suis pour la fraternité entre les religions, entre les religions. Et pourquoi on va se fâcher? On n'a qu'à transformer les églises en mosquées, les mosquées en églises aussi. Et pourquoi pas? De quoi te rendre fou? Alors, il y aura les prochains musulmans, ils vont arriver dans une église chrétienne pour se mettre à plat ventre et prier, voyez, à leur manière, quoi. Manière des musulmans. Ça leur fait plaisir de se mettre à... De prier dans une mosquée, dans une église chrétienne, ça leur fait plaisir. C'est logique. Moi, je dis que ces gens-là, ils sont logiques dans un certain sens. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi mélanger les dieux? Pourquoi différencier les dieux? On n'a qu'à les mélanger. Et puis d'abord, dans l'église chrétienne, on fera aussi des prières chrétiennes. Chrétienne et musulman, les deux. Maintenant, on mélange, on ne fait plus de différence, c'est la paix éternelle pour l'éternité. Ils ont inventé la religion mixte. Sont trop belles les églises chrétiennes. Pourquoi on va les démolir après tout? C'est vrai ça. Elles sont là depuis 2000 ans. Elles ont qu'à encore faire 2000 ans de mosquées. Elles serviront pour les deux quoi. Un coup c'est chrétien, un coup c'est arabe. Enfin, je sais pas trop. Azéri, Turkménistan, Tartare, tout ce qu'on veut. Et ces gens. Ils adorent prendre la maison des autres. Ils adorent s'incruster. Ça leur a coûté très cher. Vous savez pas combien de milliards ça leur a coûté, la guerre des Azéris contre les Arméniens. Un seul drone, ça vaut des milliards. Ils en ont des centaines de drones. Ils en avaient des centaines de milliers de bombes. Ils ont lâché, vous voyez, ils ont ravagé tout le pays avec ça. Puis finalement, ils n'ont plus d'argent pour construire maintenant une église normale. Alors, ils préfèrent emprunter celle qui était là, quoi. C'est pas bête, hein. C'est une petite économie, quand même. Une petite économie, quoi. Enfin, je suis obligé de vous dire au revoir, puisque ces gens-là, ils aiment bien prier dans nos églises, mais pas avec nous. Complètement. La la li la la.
La la li la la, la la li la li la la, la li la la, la li la la, la la li la li la la. Au revoir.